Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager une expérience très intéressante. Quelqu'un a pris ton terrain. Voilà. Affaire de terrain là, il y a toujours problème dedans. Affaire de la terre, ça envoyait des problèmes dans le monde comme ça. Qui ne veut pas avoir une partie de la terre? Qui? Tout le monde en vit. Et donc, dans ça, il y a des gens qui profitent pour prendre les terrains des autres parce qu'ils sont forts. Si tu as ton terrain et que tu as payé ton terrain ou c'est ton papa qui t'a légué ce terrain, et comme tu n'as pas les moyens, quelqu'un se lève comme ça un matin, il vient et dit le terrain là, c'est pour lui. Et il va soutenir ça jusqu'à où ça va arriver même là, jusqu'à arriver un moment, toi-même tu es découragé, tu dis terrain, il n'a qu'à prendre. Hey. Ma grand-mère m'a parlé d'un arbre en Afrique, un arbre qu'on appelle, et je ne sais pas si c'est ça, mais c'est un arbre, il y a beaucoup de piquants, 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 piquants. Lui partout, même les feuilles là même, il y a piquant dessus. C'est un grand arbre comme ça. Si vous avez trouvé, ma grand-mère quand elle me parlait de ce arbre, elle dit qu'avant, les gens allaient à côté de ce arbre-là pour juger les problèmes. L'arbre là au milieu, et puis les gens se mettent autour, et puis on parle d'un problème. Et elle disait aussi que quand les gens arrivaient, les menteurs là, qui créent les problèmes, ou bien les problèmes de couple, comme ça, quand les gens arrivent, le chef du village est assis, on met les gens autour, et puis l'arbre là au milieu maintenant. Et puis maintenant, chacun raconte son histoire. En tout cas, on appelle ça l'arbre de vérité. Parce que si tu mens, façon les boutons là sont comme ça sur lui, paka paka là, tout le monde va savoir que toi tu as menti. Donc, les gens étaient obligés de dire la vérité. Donc, tout le monde se mettait à côté de l'arbre là pour juger. Et le chef du village n'avait pas besoin de trop parler. Le chef du village n'avait pas besoin de trop parler. Que les gens disaient, non, moi-même j'ai menti. Faut pas, l'arbre là va m'attraper, j'ai menti. Que a fait la même, et laisser tomber, c'est la femme là qui a raison. C'est comme ça les maris avouaient tous leurs secrets. C'est comme ça les femmes aussi avouaient qu'elles avaient trompé leur mari. C'est comme ça les hommes aussi avouaient à leur femme que c'est vrai, j'étais trompée avec telle personne. Devant l'arbre là, les secrets, tout le monde disait ses secrets. C'est de cet arbre-là que je vais parler avec vous. On appelle l'arbre-là l'arbre de vérité. Moi, le nom en français, là, j'ai même cherché, j'ai cru que c'était le fromager. Mais le fromager aussi a beaucoup de piquant, piquant aussi sur lui. J'ai dit, tout problème de terre a envoyé des guerres. Qui ne veut pas avoir une partie de la terre? Qui n'a pas envie d'avoir une partie de la terre sur cette terre? Et donc, ça envoie des problèmes. C'est pour ça, quand vous voulez faire vos trucs, vous savez que vous avez une terre comme ça, vous n'avez pas les moyens, préparez-vous. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous mettre le bâton dans les roues. Préparez-vous. Cherchez-vous même un peu, au lieu de vous asseoir comme ça, quelqu'un va venir mélanger comme ça votre tranquillité à cause d'un terrain. Si vous voyez que le terrain, parce que ce que je suis en train de dire là, l'arbre là, l'arbre, si tu t'en vas devant l'arbre, si tu mens, toi-même là, tu ne vas pas oublier. Il faut dire la vérité quand tu arrives. Si le terrain est pour toi, tu dis, moi, Marguerite, le terrain pour lequel, l'affaire pour lequel je suis venue vous parler, toi-même tu sais, le terrain que mon papa m'a donné là, il y a Thierry Gaspard qui est venu, il dit le terrain là, c'est pour lui. Toi, tu peux juger. Qui appartient réellement le terrain là? Toi, tu peux juger. Vous dites ça à l'arbre là seulement. Hein? Matin, vous allez vous réveiller. Vous allez payer un kaolé comme ça. Vous allez parler dessus. Le soir, vous allez dormir avec. Le matin, très tôt, allez-y devant le fromager là. Et puis parler. C'est l'arbre le plus puissant. Il y a le fromager et puis il y a un autre arbre, il est mince. Le fromager, lui, il est gros. L'autre, il est mince et long comme ça aussi. Lui aussi fait la même activité aussi. Mais le fromager, il a aussi des piquants sur lui.
matin et ça dure. Et puis maintenant, la mairie veut prendre mon terrain là dans ma main. Ou bien, il y a quelqu'un qui a vendu le terrain là à mon insu. Et puis, il dit maintenant, le terrain là, c'est pour lui. Comme c'est toi qui juges, je connais la vérité. En tout cas, la personne là n'a qu'à laisser mon terrain là. En tout cas, il n'a qu'à oublier mon terrain là. S'il n'a pas oublié mon terrain là et qu'il veut me fatiguer, je suis venue te confier l'affaire là. Toi-même, il faut juger. J'ai dit, si toi-même tu sais que c'est pour toi, si tu mens, que tu arrives là-bas, il va t'attraper. Mm-hmm. Donc, si tu ne mens pas, que tu sais que c'est pour toi, il faut aller faire ça. Il n'y a rien. La route là serait droit comme ça devant toi. La personne qui est venue prendre ton terrain là, il va laisser le terrain là. Ou s'il veut insister, toi-même tu vas voir comment l'arbre là va faire. C'est pas compliqué. Parce que dans l'affaire des terrains, il y a toujours problème. C'est pas bon. Hein? Quelque chose ne t'appartient pas, mais tu dis que c'est pour toi et tu es dessus. Vous aussi, vous vous laissez comme ça et c'est comme ça les gens ils vous font des trucs à cause de vous-même, vos propres terrains. Ils vous lancent des choses et vous êtes malade jusqu'à... Vous ne pouvez même plus marcher à cause d'un terrain. Hey, Seigneur mon Dieu. Cherchez l'arbre avec beaucoup de piquant. Vous allez voir la vérité là, devant vos yeux. Vous allez voir. La vérité, vous allez voir ça devant vos yeux. Parce que c'est des choses qu'on juge, on rejuge, on juge, on rejuge, on rue. Jusqu'à la personne, il sait que c'est pas pour lui. Mais quand même, il est dessus. Dès que tu gagnes, il fait recours. Ah non, vraiment, Dieu a créé des gens sur la terre. Hein? Quelque chose qui t'appartient pas, tu insistes. Tu es dessus. Cherchez le fromager. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le fromager, vous pouvez acheter l'écorce. Parfois, il y a des gens qui le vendent, l'écorce. Mais quand vous allez acheter l'écorce, là, il faut qu'il y ait au moins un piquant dessus. Voilà. Je ne sais pas si ça va avoir le même effet, mais il est dit aussi que parfois, on prend l'écorce, là, on le met au milieu des gens. Et c'est des gens anciens qui faisaient ça. Ils mettaient ça au milieu du groupe et puis les gens parlent. Si tu es en train de mentir là, le fromager là, il va dire que c'est toi. Et la façon il va dire que c'est toi là, tout le monde va voir ça clairement. Mm-hmm. C'est comme ça. Ce sont des secrets que vous devez connaître. Si ça peut aider, je partage ça avec vous. Ça peut aider. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces fabuleuses de Astuces Aimées. À bientôt. Au revoir.